fille de 15 ans, blanche comme une rose. Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser, dans la rivière courante, elle s'en va l'y jeter. Sa voisine l'avait vue revenant de l'office, s'en va directement prévenir la justice. Aux gens de la justice, ne voyez donc vous pas ce qui se passe en ville si on ne vous le dit pas. Les gens de la justice sont allés chez la belle, l'ont trouvé sur son lit, sa mère est auprès d'elle. Bonjour, bonjour la belle, comment vous portez-vous? Les gens de la justice, ils ont affaire à vous. Si j'ai eu un enfant, comprenez ma détresse. De mon cœur innocent, je ne suis pas maîtresse. Allons, allons la belle, pointant de boniment. Montez-y à cheval, suivez-nous promptement. La mer se répandait, pleurait à chaudes larmes, en voyant son enfant porté par les gendarmes. Messieurs de la justice, prenez tout mon argent, mais rendez-moi ma fille, rendez-moi mon enfant. L'argent du monde, vous n'aurez point votre fille. Elle a commis un crime, il nous faut la punir. Là-bas dans la prairie, avec du bois autour, nous brûlerons la belle demain au petit jour. Demain matin, la belle est attachée au milieu du bûcher. Mon Dieu, elle va brûler. La flamme n'était pas mise qu'une voix criait. Ne châtiez point la belle, l'enfant n'est pas tué. Hier, m'en promenant au soleil de minuit, l'enfant j'ai retrouvé sur la rive endormie, sur la rive endormie d'un linge enveloppé, sans aucune blessure, un ange à son côté.